Bonjour à tous et bienvenue sur Airport CEO, un jeu de gestion d'aéroport dont nous allons gérer les avions, nous allons gérer le fret, le cargo et nous allons gérer aussi les passagers. On va donc commencer une nouvelle partie. Bon, on s'en fiche un peu. On le verra pas le personnage quasiment pas, vous verrez. Donc on s'appelle tout simplement. Hop, Blue Chart. On se positionne dans ma région. Voilà. On va appeler notre aéroport le Blue Sky Airport. Voilà. Code IATA. BSA, je pense. Voilà. On va aller chercher. Ouais, celui-ci, très bien. Peu importe à la limite. On se met en facile pour la découverte, sachant juste la quantité d'argent en début de partie. Et donc on lance la partie. Donc vous allez voir, le jeu est vraiment très complet, il est addictif sincèrement. Donc il est sorti en release aujourd'hui, normalement je vous poste cette vidéo le... Ouais, j'ai un doute, peut-être qu'il est sorti hier. Il y a deux jours. Bref, il est sorti il y a très peu de temps, alors on va passer ça parce que je l'ai déjà fait. Donc voici comment se présente le jeu. Alors, niveau graphisme, on n'est pas sur de la 4K, hein, mais franchement, on s'en fiche. Vous allez voir que le côté gestion est tellement bien fait que voilà, c'est vraiment pas gênant. Donc on pourra plus tard agrandir nos zones. On voit qu'on a toutes les zones qui sont grisées là, qui pourront être exploitées. Mais avant, on va devoir exploiter celle-ci, se faire de l'argent pour ensuite progresser. Donc première chose à faire, c'est... Quand vous démarrez le jeu, vous venez ici, vous allez dans opération, construction, et on va signer un contrat avec des sous-traitants. Alors plus les étoiles, plus il y a d'étoiles, et plus le rapport quantité, qualité et prix est intéressant. Vous voyez, 96 entrepreneurs pour 5,40€ de l'heure, ici 71 pour 7,80€ de l'heure. Donc on signe avec eux. Ok, ensuite on revient dans opération, on va chez les entrepreneurs, on va récupérer. Hop, tout le monde. Alors on va lancer la simulation. Qu'est-ce que tu me dis? C'est un email, c'est ça que j'ai pas vu? Ouais, station météo, ok. Donc vous voyez, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un bon jeu de gestion. Oui, affecté automatiquement, très bien. Bon, je sais pas ce que c'est cet truc, hop. Et donc, vous voyez, regardez, hop, on a nos petits gars de la D2 qui débarquent en bus. Donc, on va faire pause. On va se faire de ce côté tout ce qui est fret et de ce côté tout ce qui est passager. Alors, première chose à faire, une piste pour les avions de fret. On va se mettre comme ceci. Ouais. Ouais, j'ai réussi à faire pile poche, je crois. Donc ensuite, il va nous falloir des rampes d'accès. Une. Voilà. Des rampes d'accès, il va nous falloir... une piste pour circuler. Je vais essayer de serrer au max sur la piste. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Ensuite, on va mettre. Donc, au début, on va pas de suite faire du. On n'a pas besoin, je pense, d'asphalte pour ça. Au début, on va juste louer des emplacements de parking. Pour les avions qui ont besoin de se poser, de faire le plein, de faire une pause peut-être pour le pilote, et ensuite ils repartent et ils nous payent donc la location de l'emplacement. Si on a fourni le carburant, ils payent aussi le carburant. Ouais, et on va se garder pour les vols commerciaux. On va s'en garder deux ici. Voilà.
Ensuite, on va leur dire que le passage va se faire comme ceci. On va faire ça, ça ira plus vite. Voilà. Donc là, je l'indique aux avions quel endroit il faut rouler. Et là, on est bon, ok. Ensuite, il va me falloir une piste pour les services. Donc, on va aller chercher ici. Alors, avant ça, pardon, un point de contrôle. Voilà, ici, la route publique s'arrête. Et ici, la route de service commence. Voilà. On va se mettre comme ceci, je pense. Et allez, on est parti. Nos petits constructeurs vont sortir des véhicules. Derrière, on a le camion de livraison de matériaux qui arrive. Ça va prendre un peu de temps, le temps qu'il lui va décharger ses mecs, lui aussi. Ici, on décharge, voilà. Tout ce qu'on a besoin pour construire ce qu'on a demandé. On va aussi avoir besoin d'un dépôt pour véhicules qu'on va placer ici. Donc il va pouvoir contenir 20 véhicules. Tac. On va avoir besoin d'un dépôt de carburant qu'on va mettre ici. Voilà. Quoi d'autre ? Là-dedans, on est à peu près bon. Non, il va me falloir une tour de contrôle pour mes avions, évidemment. Ah, c'est dommage qu'elle passe pas là. Ici non plus. Ah bon? D'accord, tu comptes pour... Bon, mais pourquoi pas ici, hein. Hop, voilà. Le vent... ok, on va mettre ça ici, alors, hein. Ça, ça se met, si je me trompe pas. Comme ceci. Je crois, hein. J'ai un doute tout d'un coup. C'est la même chose, on est d'accord, hein. Ouais. Simplement pour qu'ils y voient. Donc là, on va dire qu'on passe uniquement dans ce sens. Là, on va dire qu'on passe uniquement dans celui-ci. Voilà, pour avoir une sortie. Voilà, no entry. Et no exit, j'imagine. Quelque chose du genre. Qu'est-ce qui ne va pas? Piste non connectée. C'est parce qu'elle n'est pas ouverte, c'est ça? Ok, on va pouvoir ouvrir l'aéroport. Autoriser l'aviation en général. On va acheter un véhicule de carburant. Et on va aller dans l'économie, au niveau des contrats proposés, chercher la meilleure offre au niveau du fuel, c'est Avifuel. Et donc voilà, le premier avion arrive. Ici, on a le fuel qui arrive. Voilà, hop, il vide son fuel ici. Le camion va arriver ensuite pour livrer l'avion qui en demande peut-être. Bah, il demande tout ça en fait, c'est juste que nous on va lui fournir certaines choses. Voilà. Que vas-tu faire? Non, je sais, ça m'est déjà arrivé. On va autoriser, voilà, service de carburant activé, avgas. Ok. Donc là on va commencer à gagner un peu d'argent, les avions vont venir se stocker. Ici on va dire, on va l'arrêter celle-ci, celle-ci aussi. Voilà. Ensuite, il va me falloir de la recherche. Alors pour ça il va me falloir du personnel. On va chercher des administrateurs, on va en prendre 3. Et bien parfait, on a des bons en plus. Et même 4, allez hop, opération
projet, recherche et développement. On va rechercher les licences commerciales, oui. Parfait, on peut en mettre 5, donc on met nos 4. Ah, ils sont pas arrivés, peut-être les administrateurs. Alors, ensuite. Vous voyez, ça y est, hop, mince. On a dû avoir des rentrées d'argent. Voilà, frais d'usage de la piste, 1000. Heure actuelle, alors, de moyenne d'heure, ouais, plutôt, voilà. Frais d'usage de la piste, donc il paye l'usage de la piste, il paye les frais de parking. Vente de kérosène pour avion, il le paye. Et après, nous, on va avoir un peu tout le reste en dépense. Est-ce qu'on peut passer la nuit comme ça? Non, les avions en mouvement, donc je peux pas. Ok, bon, c'est pas grave. On va mettre de l'éclairage plus tard. Il va nous falloir donc faire une arrivée ici pour faire d'une zone... comment dire? Ou alors je la mets ici. Ah, vous voyez, il a payé 250 là, son kérosène, lui. Je suis en train de réfléchir. Il va me falloir une salle du personnel déjà pour la recherche. Donc attendez, on va faire des fondations. Ouais. Qu'on va placer... alors attends, pause parce que les mecs là, je vais pas y rien faire. Putain, on a déjà fait un peu de bénéf là dans l'heure. Ouais, bon, on arrive en fin d'heure, on a fait du bénéf, c'est cool. On va faire ça comment? Est-ce que je fais un bâtiment pour le commerce, un bâtiment pour le transport de passagers? Je sais pas si c'est une excellente idée, mais on peut faire ça, on peut essayer. Sauf que ça veut dire que c'est ces deux là qu'il faut que je... Ouais, pour le commerce, c'est ces deux qu'il me faudrait. Donc ouais, on va faire ça ici. On va faire au moins un couloir. Voilà. Et ensuite, il va falloir se relier ici. Alors je fais un test là parce que j'avais jamais divisé en deux passagers et vols commerciaux. Enfin passagers. Non mais en fait non, je peux le faire ici. Mon aéroport. Ouais non, ça va m'embêter. Ça va m'embêter, on va refaire une piste plutôt. Et donc toi on va te dire ouais. On va te dire ça plutôt. Et la route arrive jusqu'à toi ? J'ai un doute là tout d'un coup. Non mais j'en ai pas besoin. Si oui, j'en ai besoin de ça, sinon on poursuit pas là. Ouais. Ouais donc ok, on va le faire là. On va le faire ici. Donc on va se faire une allée. Une allée principale qui va déboucher sur des parkings. Oh, je peux même le mettre là. Hein. Ouais. Enfin non, deux. Voilà. Alors attends, montre-moi au niveau des parkings et tout ça là. Arrêt de bus. On peut mettre les bus ici, pourquoi pas. Le dépose minute. Non. Ici. Abribus, on mettra après. Arrêt de taxi, oui. Le parking. Et... on met ça comme ça, ça donne quoi? Ouais, c'est pas trop mal. Comme ça, je mets mon bâtiment par là. Une piste d'atterrissage au-dessus, enfin, au-dessus ou à côté. Les avions devant. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc. Un, deux, ouais. On va en mettre deux. Et ici, ça fera du 3.
Ouais, ok. Des trottoirs. On va relancer comme ça, ils peuvent commencer à construire. Voilà, des passages piétons. Ici et ici. Je sais pas s'ils peuvent passer là. Si je te mets des trottoirs. Putain, vous avez été vite, les gars. Si je te mets des trottoirs. Hein. Je suis con, j'ai fait les fondations là. C'est complètement con. C'est une route qu'il me faut. Vous voulez pas démolir ça aussi? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai un doute là. Je sais, j'arrive pas à... Placement de structure indisponible. C'est au niveau des fondations. Ah voilà. Donc. Voilà, on récupère des soins en plus, c'est très bien. Une route ici. Et donc là, on va faire l'entrée de notre bâtiment. Pause. Tac. On peut se permettre de le faire grand, je pense. Ouais, bah j'ai la piste là. Je vais peut-être placer la piste déjà. Ouais. Ensuite, on va mettre... l'autre. Voilà. On va mettre des belles... de belles pistes pour nos avions commerciaux. On va en mettre 4. Voilà, et là je fais mon bâtiment. Il me faut juste, avant que j'oublie. Ah, enlève-moi ça là, voilà. J'ai fait 3? Ah oui, mais parce qu'on est arrivé là. Oui, bon, vas-y, 3, oui. Ouais, parfait. Ok, repartez, il est quelle heure? 3h du mat. Et on a de la recherche encore ou pas? Débloque la licence commerciale, oui. C'est la nuit, tu bosses pas, c'est ça? Non, c'est parce que j'ai pas de bureau des employés, peut-être ça. Peut-être possible. Bon, on gagne encore de l'argent, franchement c'est cool. Donc là il va me falloir mon bâtiment. Ah oui, attends, j'oublie un truc. Eh oui, non, il va me falloir une route là. Voilà. Et ici, connecter ça. Qu'est-ce que tu veux pas faire? Projet de licence terminé, oui.
C'est parce que c'est pas construit? Qu'est-ce qui va pas? Peut-être que ça est pas construit. Eh ben. Je comprends pas. Ah ouais, il y a des animaux, c'est vrai. Ils me pourrissent le truc. Si je t'ouvre. Non, toujours pas. Alors attends, on va faire une nouvelle recherche en attendant. On va aller chercher les vols de nuit. Donc, où est le problème? Je les ai pas mis à l'envers, hein. Non, ils arrivent par là normalement, oui, c'est ça. Ouais, t'es pas connecté, j'entends, mais... Ah, c'est peut-être parce que t'as pas la voie de service, certainement. Attends, j'ai bugué là, je viens de me rendre compte. Comment j'ai fait là? Ah oui, c'est l'inverse, faut décaler ça, ok, ok, ok. On va recommencer. D'accord. J'ai inversé le sens. Et tac, voilà. On va recommencer, donc... Allez, encore un dernier. Très bien. Placer. Un, j'avais combien 4, 2, 3, 4. Donc, ici la route, on va là. Réduire un petit peu parce qu'il va me falloir la place pour les bâtiments ici, ici toujours pas. Je ne comprends pas. Ah. Pause, tu fais quoi toi? 2 minutes. J'ai pas le matos encore pour toi. Ah! Alors, ravitaillement en cours, je sais pas comment tu vas faire. Hein. Bon, du coup, on est bon. Ouais, donc on va pouvoir faire. Bâtiment principal.
Donc l'entrée, on va la faire bah, ici. Hein. On va avoir quelque chose comme ça ici, sachant qu'ensuite l'embarquement va se faire là. Voilà. On va mettre une grande porte ici. Oui, je le ferme pour l'instant. Voilà. Alors, je vais renvoyer quelques gars quand même. On va pas tous les... D'ailleurs, oui, il faut arriver à la piste d'atterrissage, là. Voilà. Donc là, on a une porte, ok. Il y en a qui vont être enfermés, comme des idiots. On va prévoir déjà une porte. Donc ça, ça va être la salle d'embarquement. Donc il va nous falloir des bureaux d'embarquement. Non, c'est pas ici encore. C'est ça. Ah, je sais plus, attendez. Faut que je m'en rappelle. Ouais, on va faire les choses dans l'ordre. On va déjà faire l'entrée. Bureau, voilà. On va mettre un bureau d'information à l'entrée. L'autre, il est comment? Ouais, disons comme ceci. Compteur d'enregistrement, pas encore, quoique. Attends. On va mettre des écrans ici. Ouais. On va mettre un compteur d'enregistrement, donc on va les mettre derrière. Voilà, on va s'enregistrer là et en plus, ensuite on ira ici pour embarquer. Je vais laisser deux d'espace pour faire une petite file d'attente. Voilà. Ensuite, il va me falloir donc une zone de sécurité. Alors, je la fais volontairement grande. On ajustera après en fonction des besoins. Voilà, il va me falloir une porte ici. Tu la retrouves? Ok. Ensuite, niveau sécurité, ouais. Les points de contrôle de sécurité sont essentiels pour n'importe quel aéroport car ils permettent d'assurer la sécurité des passagers. Alors attends, toi t'es présente comment? Ouais, c'est bon, ça me revient. Donc ça c'est l'entrée, ça c'est la sortie. Alors attends, la zone, on va la réduire un peu. Et l'agrandir ici. Donc sortie, on va en mettre... Alors attends, toi tu prends 3 de place. Hein. Ouais. 1. Ouais, 2 sorties. 2. Si j'y arrive. Ok, donc cette zone-là, on peut réduire ça. Voilà. Il va me falloir par contre des murs pour éviter que ça frode. Ok, on peut commencer.
Ok, très bien. Alors, ici, on va vous faire les salles d'attente. Enfin, les salles d'attente, les files d'attente plutôt. Ici, pareil. Voilà. Ah, lâche. Voilà. Donc, toi, tac, 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 tac. Toi, idem. Très bien. Donc, ils passeront par là. Il me faut. Alors, il me faut une salle du personnel. Ouais, c'était ça surtout. Donc, on va placer ça par ici. On va faire. Alors, personnel. Une salle du personnel. On va la faire assez grande, je pense. 160 mètres carrés, allez. On va leur mettre des bureaux. Ouais. Cinq. On va prévoir plus large. Mince. Il va me falloir du monde en fait. À terme, il va me falloir beaucoup de monde. Attends, je crois que j'ai mis en vert. Non, c'est bon, l'écran est là. Non, c'est la chaise ça. Oui, non, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Ok, ensuite, un petit peu. De détente. Non, je l'ai mis à l'envers. Bon, finalement, ça va être des canapés. Voilà. Un petit peu de déco. Je pense pas que ça les gêne pour passer. Un peu spécial de faire ça. Un peu spécial de faire ça aussi. Disons qu'on fait ça. Allez, ça ira bien. C'est juste la salle du personnel, faut pas non plus. Donc voilà, il va me falloir une porte. Mieux. On peut leur mettre des fenêtres. Pourquoi pas? Est-ce que j'ai défini la zone du personnel? Oui. Ok, on peut redémarrer alors. Là on est pas mal. Qu'est-ce qu'il me manque? Oui, il me manque ici. Donc on a compte en enregistrement, voilà, bureau d'embarquement. Il faut pas bloquer la porte. Ok, c'est de part et d'autre en fait du passage piéton, j'ai l'impression. Mais ouais, j'ai pas de porte là, on est d'accord hein? Ça va le faire tout seul, hein? On va voir. Bon, par contre ici on va
Voilà. Vols commerciaux. Vols commerciaux. Vols commerciaux. Vols commerciaux. Toi, on te connecte ici. Toi. Connexion impossible. Connexion possible. Je vois rien par contre. Très bien. Attends, on va commencer par celui-là. Oh putain, c'est vraiment pas bien fait ça. Putain, on va faire pause, ça sera mieux. Toi, tu te connectes ici. Toi, tu te connectes ici. Et ensuite... Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'autoriser quelque chose là? Ouais. Travail des agents de piste. Ah oui, il va me falloir du monde, ouais. Alors, d'administrateur, ça va. Un concierge peut aider. Ah oui, voilà. Agent de service aux passagers, j'ai personne. Agent de piste, il va m'en falloir, j'ai personne non plus. T'es pas connecté, c'est ça? Voilà. Donc là, c'est l'entrée. Là, c'est la sortie. Ou l'inverse, selon comment on envisage le truc. Donc, t'as toujours pas d'employé? Sérieusement? On en est où de la recherche, là? J'ai mis personne, donc forcément. Personnel. Directeur système, directeur financier. Berlusconi, j'avais lu. Formation, exploitation, concierge, ressources humaines... Sérieux? J'ai que ça? J'ai pas d'agent de service... Ah, voilà. Alors, il m'en faut un ici. Ensuite, deux de sécurité. Et ça, je pense que c'est agent de service au passager aussi. Donc, 1, 3, 5, 7, 9... Agent de piste, il va falloir, on va en prendre 1, 2 pour l'instant. Agent de sécurité, il va en falloir 2, 1, on va rajouter ça. Il y en a d'autres qui vont arriver. Oui, attends, un truc là, important. Les ouvriers, vous dégagez, merci. Parce que sinon, voilà. Personne bosse, c'est le bazar, tout ça, tout ça. Ok. Pourquoi on a personne qui est arrivé? Small boarding est désactivé. Oui, non, mais c'est parce que eux sont désactivés. Voilà. L'objet n'est pas en état de fonctionnement. Ah bon? Et pour quelle raison? Ah! Non? Bon, attends, si je te mets les deux. Tu te démouriras, mais ça me paraît bizarre. Non, c'est ouvert. Ah oui, je suis bête, j'ai pas de contrat. Alors, c'est pas du fuel qu'on veut, c'est un truc 3 étoiles si possible, voilà. Petit, très bien, 2500 par vol, on signe. Voilà, très bien. L'objet n'est pas en état de fonctionnement, je comprends pas. Piste non connectée. Vraiment ? Bah si.
Qu'est-ce que tu me racontes? J'arrive pas à saisir où est le problème. T'as tout ce qu'il faut normalement. Ah, ça m'énerve. D'où vient l'erreur? D'où vient l'erreur? D'où vient l'erreur? Parce que là, on est bon, hein. On a un mec à l'accueil. Ah, il manque un mec de la sécurité. Ouais. Agent de sécurité, très bien. Il va arriver. J'entends un avion. C'est un bruitage, ok. Je saisis pas le problème là. Alors attends, j'ai fait une erreur. Je pense pas. Il te faut une entrée-sortie, c'est ça peut-être? Si on fait ça, tu considères que t'es connecté? Vol de nuit, très bien. Est-ce que là on est bon? Toujours pas, c'est impressionnant. Ok, bon. On va pouvoir planifier les premiers vols, j'imagine que ça va se débloquer. On va mettre ça dès qu'on peut. Mais je comprends pas par contre. Ouais. Donc on peut accepter 4 vols en même temps. Voilà, les premiers premiers passagers vont arriver. C'est peut-être elles qui sont. Tu vas être connecté où toi? Vols commerciaux, ah, peut-être ça. Ouais, voilà, c'est bon. Donc ça y est, ok, on a nos premiers clients qui arrivent. Ils passent le poste de sécurité. Tiens. On va pas faire les... On va pas faire les radins. On va vous mettre des bancs. Pourquoi je peux pas là? Mince. Z c'est pour monter, mais c'est aussi pour activer l'overlay, salle d'attente et tout ça là. Position de l'objet invalide. Bon, on va mettre où il veut bien. Ah, c'est parce qu'il y a la... Il y a le devant des... voilà. Où est-ce que j'avais trouvé le distributeur de boissons? C'était dans quoi? Ah, je me souviens plus. Peut-être ici. Ouais. On va mettre le truc ici. Tac, on va mettre celui de bouffe là. Des poubelles. Des petites plantes aussi. On en est déjà là, ok. Qu'est-ce qu'on a dans les décos? Ah, j'aimerais bien que ça fonctionne. On va regarder juste après là. Qu'est-ce que vous allez construire vous? Les agents de piste. Je suis étonné de pas avoir d'avion. Ah, ils viennent construire ça peut-être, mais pourquoi c'est par où? Ah, ils viennent construire tout ce que je demande là.
J'ai une idée du prochain vol, quand est-ce qu'il arrive? Alors attends, vu qu'on a... Ah voilà, travail des agents de piste, si je l'active pas, forcément. Ok, nouveau projet. Un bagage. Alors... Ah d'accord. Votre premier vol transportant des passagers est arrivé à votre aéroport. Ah bon? Où ça? Où ça? Où ça? C'est vous? Non, pour l'instant on fait que... C'est pas ici? Alors c'est où? Ah! Le voilà, le premier avion. Le voilà, le voilà. C'est ça. Celui qu'on avait. Donc il part à 18h45. Avec 9 passagers. On est d'accord qu'il peut être ravitaillé. Hein. Je vais peut-être acheter un autre véhicule. De carburant, voilà. Histoire de ravitailler eux aussi. Et donc, est-ce que les mecs commencent à monter? Ah bon, on a des... On en a qui descendent déjà? Est-ce qu'on en a qui passent? Je crois qu'il y en a un qui montait là, non? Vous fonctionnez bien. Peut-être que c'est... Ah, voilà, j'ai la réponse. L'embarquement commencera à 18h, d'accord. Bon, très bien. Jusque-là, on n'est pas trop mal, alors. On pourrait faire des toilettes, d'ailleurs. On pourrait carrément faire des toilettes. On va décorer un petit peu en attendant 18h. Bassin décoratif. Ah ouais? Ça se met en intérieur, ça? Étant extérieur, j'ai rien dit. Des guirlandes, super. Des statues. Un objet statique placé pour impressionner. Pneus, voiture, avion, pilote, bouteille, carrément, pilote, bouteille, avion et nœud, dans l'ordre. Tiens, on va mettre une belle statue d'avion ici. Une petite... Pourquoi pas faire une petite salle d'attente ici? Est-ce que je débloque les boutiques? Non, ça, ça va être avec la recherche. On va vous faire des toilettes. Alors, zone et salle. Toilette, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, non, rien de particulier en plus. On va faire des toilettes ici. Ouais, 6. Tac. Tiens, d'ailleurs, au fait... Pour gagner un peu plus d'argent, ça pourrait être malin. On a combien? On a 96, ouais, on peut en virer, je sais pas, 56? 46 peut-être? Voilà, il n'y a pas besoin de tout ça, les gars. Ensuite, on va mettre. Donc, c'est porte des toilettes, hein. Ah, je crois que c'est du carrelage, ça. Ça a du marbre dans les toilettes. Coût de construction 2. Et le ciment 2. Ah ouais, bon, bah vas-y, on prend du marbre. Qu'est-ce que je cherche? Une porte. Porte en bois, t'as pas mieux quand même? Bon. J'ai pas mis dans le bon sens, est-ce qu'il me la mettra dans le bon sens? Je sais pas trop. Et donc, toilette. On est d'accord que c'est ça? Ouais. Il faut que je te fasse les murs. Urinoir, tiens. On va faire ça. Sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Voilà.
Les lavabos. On est d'accord que ça se met contre mur, hein. Voilà. Ouais, on sèche les mains à côté du mec qui pisse, mais bon. Ah, je vois rien. Comment je l'ai placé là? Je vois rien du tout avec la zone. Ah, mieux. Mais t'es sérieux? C'est quoi Z? Voilà. Non, je vois toujours rien. Je sais pas dans quel sens je les ai mis. Ah si, c'est bon, j'y vois là. Comme ceci. Ouais. Et donc les toilettes, on va les mettre ici. Avec l'espace pour un mur et une porte. 4. Je sais pas si lui va pouvoir pisser là. Mais cet espace sert à rien du coup. Je pourrais mettre une porte ici pour accéder, on passerait là, là, et je mets une toilette là. Bon, non. Ah oui, non, là ça passe pas pour toi. Donc, et on mettra une plante ici. Donc, quelle heure il est? 19h, j'ai loupé le départ. J'ai loupé le départ. Par contre, on va le voir ici. Revenu. Passager. 210, frais de passager, ben voilà. Du coup... Ah ouais. On a... des avions, des offres. D'ailleurs... Ah mince. Je confirme pas. Oh, je suis dégoûté par contre qu'on l'ait pas vu. Ouais. Est-ce que j'ai pas d'autres contrats? 3 étoiles, très bien. Trinity Aviation. Ah, on a des points de négociation? Comment ça fonctionne? Négociation automatique. On peut négocier? Je sais pas comment ça fonctionne, c'est par contre. Bon, ça fonctionne là, à l'aéroport, là ça tourne, c'est cool. Là, nos hangars, ça fonctionne aussi. Ouh, la piste elle est défoncée. Ouais, on va la réparer. Voilà, ça va encore. Je sais pas si c'est suffisant le nombre de mecs que j'ai assigné. Que j'ai assigné au... la réparation des pistes. On va mettre de l'éclairage aussi, ça manque. Des bons projos sur les voitures, ça rassure. On va mettre des lampadaires plutôt par contre. À ce niveau-là.
Ouais. Ça éclaire pas des masses non plus, hein. Ah, au fait, tu pars à quelle heure, toi? 1h35. Ah, faut que j'arrive à y penser, hein, pour regarder. Ah, ça, c'est bon, ça. Est-ce qu'on a d'autres vols? Oui. Je peux te mettre... Alors, attends. On est mercredi. Je peux te mettre sur jeudi. Confirmé. Confirmé. Ok. Alors, lequel va partir? 1h45, c'était toi, hein? 1h50. 1h35, toi. Ok. Statut roulage. D'accord. Pourquoi on t'a pas fourni en carburant? Ok, donc toi tu pars à Rochefort-Saint-Aignan. Saint-Aignan, pardon. Ok. T'es déjà parti? Ouais. D'accord. Oh, ah oui. Le parking, ça coûte. Frais de parking, réparation en gare, ouais. Qu'est-ce qui me rapporte le plus? Avion, mais... Coût d'entretien des sanitaires. Attends. Je me sens qu'il m'inverse. Ah non, salaire du personnel. Pour moi, coût d'entretien des sanitaires, c'est pas dans les revenus. Coût d'entretien, non? Vente de kérosène, prix de parking, usage de la piste. Les passagers commencent à rapporter un peu. Toi, tu pars avec 4 mecs, ouais. C'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. Bon, je pense qu'on va... À moins que j'ai des nouveautés, arrêtez là pour ce premier épisode. Il doit certainement être un peu long, je sais pas du tout, je vous avoue. Je vous ai pas mis de tour de contrôle à vous. Ça vous gêne pas tant que ça finalement. Hein. Ouais, ça a pas l'air de les gêner tant que ça. Ah non, ça sert pas à grand chose. Ça, je peux te le mettre par là si tu veux. Dalle en béton. Je suis étonné qu'il les livre pas en kérosène. Étonné. On a tout activé. Embarquement non débuté, oui. Autoriser toutes les compagnies, ouais. Ah non, c'est juste qu'ils l'ont pas demandé, d'accord. Nettoyage non demandé, restauration non demandé. Et pushback. Je sais pas trop ce que c'est le pushback. Ok, bon, mais ça fonctionne bien, on est pas trop mal. Les toilettes, au fait. Il y a de la lumière intérieure. Non, pas tapis roulant. Non, tu peux pas le mettre dedans. J'ai pas de lumière pour l'intérieur. La porte, elle est... Ah oui, d'accord, la porte, elle est pas comme il faut. On va en mettre une dans le bon sens du coup. Voilà. J'ai l'impression qu'il vient jamais livrer le carburant là, mais bon, peut-être que les mecs le demandent pas non plus, hein.
On autorise bien que... Ouais, j'ai l'impression. Niveau recherche. Ok, très bien, vol de nuit. Arrêt de navette pour transport de passagers, arrêt pour voiture de service, ouais. Permis de construction de sol. Étage du terminal, escalier. Ah d'accord, c'est pour avoir les étages. Structure pour le carburant d'aviation Jet A1. Ouais. Gestion, débloque, réduction des coûts d'entretien, réduction des coûts des salaires, des coûts de réparation, augmente la vitesse de production, peut être très bien. Et ingénierie structurelle, piste en béton, rampe d'accès en béton, fondation en béton, route en béton, tout en béton, ok. C'est un nouveau camion, je sais pas trop ce qui serait le plus... Pas quelque chose qui pourrait... Structure véhicule pour les interventions urgentes, patrouille de sécurité, système de vigilance contre les impacts d'oiseaux. Ça, ça me paraît plus intéressant. Station météo large. Enfin, grande station météo. Ouais, démarre ça. Je l'ai la station météo? Je crois pas, hein. Si. Coût de fonctionnement de 2€. Ça va? On devrait s'en sortir. C'est dommage que tu me dises pas ce dont j'ai besoin pour... On va faire le hangar avion pour réparer, ouais. Est-ce que tu me dis ce qui manque pour... La station météo, elle est juste comme ça? Ok. Pour débloquer le reste, là. On a quoi comme réputation? 64, mais ça monte. Tout est en train de monter. Qualité de l'infrastructure pour l'aviation générale. Qualité du terminal. Ah, c'est ça le terminal, ouais. Donc il faudrait peut-être... je suis peut-être trop d'employés, hein, mais si je veux améliorer ça, là, il me faut plus d'employés. Et donc c'est un peu le cercle vicieux. Qu'est-ce qu'il a, ce terminal-là? Il est très bien. Il y a même un avion à l'entrée. Ah! Peut-être ça aussi. Ça bouchonne. Ouais, c'est peut-être ça. Je vais renvoyer encore des... Ouais, j'ai tout... J'ai tout activé ici. Je vais renvoyer... des ouvriers, mais j'arrive pas à savoir comment... Ah voilà, déployer 50. On va en renvoyer 20. Ça devrait être mieux là, non? Après, c'est vrai qu'il n'y a pas fou là. Hein. 66, un peu mieux. Ah. Opinion récente des avions GA sur la qualité du tarmac lors de l'atterrissage, du stationnement et du décollage amélioré en améliorant la qualité du tarmac et des pistes d'atterrissage. Amélioration de la piste, ça me coûte. Construire des indicateurs de pente, d'approche, oui. Ah. Ah, il passe ici. Ben d'accord, si c'est que ça. Je vous fais moi des indicateurs de pente. En
ensuite, quoi d'autre? C'est tout. Et ici, je vous l'ai fait, non? J'imagine que ça se met comme ça. Je sais pas si vous y voyez grand chose. Non, c'est pas une ligne qu'il faut faire. Bon, j'en ai aucune idée, sincèrement. Ah, si, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il vous faut de l'éclairage aussi. Je sais pas trop. Eh oui, mais j'ai plus... je sais ce qu'il me faut. Ah non, j'ai encore des avions là. Et là, je suis que sur la première. Voilà. Ah, je peux pas le... Je peux pas le décaler, ok. Capacité de vol 17 sur 25, d'accord. Encore toi. 0-0. Alors attends, petit avion, avion de taille moyenne, en gros porteur. Moi j'ai que des petits avions, mais alors attends, pourquoi il y en a qui font la gueule? Ah, c'est peut-être ça. Hein. Ici. Ouais non, si j'activais... Comme ça me coûte 1000 à chaque fois. Je suis assez étonné que ça rapporte pas plus. Service demandé, alors qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des réparations. Certainement que c'est ça. Réparation, ouais. Ça, je sais pas ce que c'est. On peut le savoir comment. Je l'avais vu tout à l'heure. Ah, je me souviens plus. Ouais, mais vous voyez, j'arrive pas à m'arrêter. Ça fait 10 minutes que j'ai dit, bon, on va s'arrêter là. Du coup, l'épisode doit être très long, mais on poursuivra. Je vous mettrai ça le week-end, certainement. Comme ça, ça empiète pas sur le reste. Bon, il galère un peu. Hein. Je sens que ce jeu va devenir très addictif. Et on a de nouveau vol à planifier. Donc il me faudrait en fait un directeur des opérations et un directeur informatique pour planifier tout ça un peu mieux. Là j'en ai encore. Ouais. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play sur Airport CEO. Merci à tous.